Alors, hier soir, il y avait le gala de la FIA. Donc, j'ai regardé en même temps que j'ai regardé le match de foot Argentine-Pays-Bas, qui était très intéressant d'ailleurs. Et moi, j'ai fait une petite traduction perso, très personnelle, hein, comme je l'ai marqué sur Team Motorsport, de remise des prix section F1. Je vous laisse aller voir ça, lien dans la description. Bon, on va quand même regarder ce qui s'est dit vraiment, parce que du coup, c'est important. Apparemment, il y a eu un petit clash au final entre Horner et Bensoulayem. Hein. Lors du gala de la FIA, Verstappen et Red Bull ont reçu leur trophée. Horner a de nouveau souligné la confusion qu'il y a eu au Japon. Soulayem saisit sa chance pour remettre les choses au clair. Tu as dit une chose à propos du Japon. Tu as dit que le Japon était controversé. Non. La FIA a été blâmée pour les points. Mais ce n'est pas la FIA qui a fait les règles. Ce sont les équipes qui ont fait les règles. Et nous les appliquons. Répond le président de la FIA au propos d'Horner. Alors, ce sont les équipes qui font les règles. Ouais. Pas toutes quand même, hein. Avant que Bensoulayem ne puisse terminer son discours, Dominicali lui coupe la parole. Ok les gars, restons concentrés, rigole le PDG. Soulayem entreprend ensuite de féliciter Horner pour avoir remporté le championnat des constructeurs. Bon, et ben voilà, du coup, petit moment de tension, Bensoulayem qui défend la FIA à bec et ongles. Donc, bon, voilà. Allez, je vous laisse réagir suite à ça.